Sekiro! Shadows die twice. Poison. Si vous êtes touché par des attaques de base de poison, vous souffrez d'altération d'état poison. Même bloqué de telle attaque n'empêche pas les effets de s'accumuler. Le poison s'affecte l'esprit et le corps réduit votre vitalité. Here we go. Back in the samurai world. Donc, ça voudrait dire que je pourrais me téléporter où j'étais rendu. Les alentours d'Ashina. Mur extérieur, le chemin de la porte. Ça indique pas sur une map en tant que telle, c'est où. Par contre, j'ai pas de carte. Ça veut dire qu'il faut juste que je me souvienne de mémoire. Ça va pas être évident, ça. Et là, les ennemis doivent être revenus. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Yellow. Des boulettes. Le cocorico aussi est de retour. Sont durs à spotter les ennemis. Je viens de voir un samouraï là. C'est dans les objets, je pourrais mettre la porcelaine, la cendre. Je pourrais comme faire une diversion avec ça. Oh! Parce que je peux pas viser. Hi! Ok. Il a pas bougé d'un poil, ça en est foutu ben raide. Impossible de bloquer les attaques risquées. Ils sont indiqués par un symbole danger. Quand vous faites face à une de ces attaques, observez et réagissez de façon appropriée. LB quand un nesto porte dévié. A avant qu'un balayage porte sauté. Pour les saisies, saut et sprint hors de portée ou B pas d'esquive. Ok. C'est du contrôle intense. Ok. Ça c'est un balayage sourd. Aïe aïe. Ok. Oh ben l'esquive va pas marcher. Oh my god, que ça va être dur. Loup loyal, prends mon sang et revis. Merci. Ah, je peux revivre. Le sang de l'hérédité divin permet de revenir d'entre les morts avec le pouvoir de résurrection. Le recharger ce pouvoir en se reposant à l'idole de sculpture et battre des ennemis lui offre des charges supplémentaires. On ne peut utiliser ce pouvoir en succession rapide, mais tuer des ennemis le rend de nouveau disponible. Oh my god. Ah, dude. Ok.
cas de mort, l'expérience avant le point de compétence suivant et les signes sont divisés par deux. Tout ce qui est perdu, il est définitivement. On ne connaît aucun moyen d'éviter ces pertes, mais par la grâce des dieux ou de Bouddha, cela pourrait être possible. Numéro 2. Ah, come on, dude. Moins vraiment plus de vie qu'un, ça me fait péter à la gueule, je suis bon. Je suis vraiment bon. En plus, je perds mon cash pour vrai, je peux pas récupérer dans celle-là. Oh boy! Ça me fait chier intense. Les touches là manette esquive A sauter B esquive maintenir sprinter ça va être A comme les roulades puis sauter ça va être B parce que là je le file que c'est pas pareil. Bon, tu finis par l'avoir. Ok. Oh, mais c'est ce qui marche pas. C'est tellement nul. C'est tellement nul, voyons donc. Ça a aucun sens. Ok, fait qu'en gros dans ce jeu-là, tu peux pas esquiver. C'est tellement chiant. Oh boy. C'est quoi être divine? Va chier. En cas de mort, l'expérience et les scènes sont divisées par deux, mais dans certains cas, cela peut être évité. Grâce à l'aide divine des dieux et des bouddhas, on peut éviter cette perte. Les chances de recevoir l'aide divine sont indiquées dans le menu. Ah. C'est sûr que ça voulait dire. Ok. My god. Incompréhensible.
Pas de regen, man. Oh, man. Perle de chapelet. En offrir 4 à une idole de ce qui vous permet d'augmenter les vitalités et la posture maximale. Lou possède actuellement une perle. Graine de gourde, une graine d'où les deux. Les eaux de guérison coulent continuellement et mobilisées pour améliorer. Oh, damn! Ça fait des beaux combats à l'épée en tout cas. Sauf que l'esquive est tellement dur à maîtriser. Là. Quasiment dire que ça sert à rien en fait. Que je saute pour que ça marche. Pas trois dates. Limite distance. Ah ouais. J'ai failli mourir. Oh god. Oh god. Ah ok, ça les monte. Oh. Ça monte par seconde ça. Ok, je peux me recacher. Éclat de porcelaine cassée. Hey, petit à petit, ça va le faire. On va se pratiquer, puis. Un beau vide. Oh shit! Je vois une tape aussi! Mais let's go! Ballon Mibu. Un ballon Mibu rempli d'eau de source qui profite d'une bénédiction de bonne fortune. Si vous faites exploser le ballon vert en priant, tous ceux qui sont baignés de son eau gagneront temporairement plus de putain. Mibu signifie vie aquatique ou vie qui vient de l'eau. Les Achinas considèrent que de l'eau de source mérite d'être l'objet d'un culte. Plus d'argent si je peux péter une ballonne. Pouk! Ballon mi-bout de richesse. Ah! Si vous faites exploser le ballon doré en priant, tous ceux qui sont baignés gagneront temporairement plus d'argent. Ah, c'est celui-là qui est de l'argent. Ça veut dire que l'autre, c'est vraiment des objets. Ah, ok. Ah! Where?
Ah là. Fait que je viens de savoir qu'il faut pas être vu pour faire un critique. C'est bien. Inosuke, mon fils, as-tu vu le jeune maître? Je ne suis pas votre fils. Tu recommences encore, Inosuke. Tu crois toujours que je deviens sénile, mais une mère sait reconnaître son fils. Enfin, prends cette cloche. C'est un charme que j'ai fait en pensant au jeune maître. S'il te plaît, offre-la à Bouddha pour le protéger. Charme de la cloche du jeune seigneur. Une charme donnée par une vieille femme qui veut que vous l'offriez à Bouddha. Ce type de charme offre à son propriétaire la protection divine de Bouddha, mais la coutume est de l'offrir à Bouddha quand on est déjà le possesseur d'un autre charme. Le sculpteur du temple en ruine sait sûrement comment faire offrande de cet objet. Inosuke, mon fils, as-tu offert la cloche à Bouddha? As-tu essayé dans le temple en ruine? Là où il y a ce sculpteur borné, je suis sûr que tu y trouveras Bouddha. Ah bon? Un Paul. Ow! Mais chicken. What the fuck? Oh my god, je peux être mauvais. C'est une joke, sérieux, mourir contre une poule. Caché dans le jeu. Qui va là? Il y a quelqu'un? Oui. Cette voix. Non. Se pourrait-il, Seigneur? Je suis Inosuke Nogami, vassal de la famille Hirata, ou du moins autrefois. J'ai besoin d'un service. Pouvez-vous aller voir la vieille dame dans cette maison? C'est ma mère, mais elle perd la tête. Elle ne différencie plus les gens. J'ai vu votre mère. Elle m'a donné une cloche. Elle vous l'a donnée? Je vous remercie. Cette cloche la trouble depuis très longtemps. Elle parlait de façon incohérente. Elle disait de l'offrir à Bouddha. Seigneur, je tenais à vous remercier. Cette cloche la trouble. Elle parlait de... My God, faut avoir des yeux partout.
sucre de Gachin. Le grand prêtre s'est pour offrir un bonbon à un clan d'assassins errants, utilisateurs furtifs et silencieux, ce qui leur rend plus difficile à repérer par ses ennemis. Avaler ce bonbon et prendre la position de Gachin permet de recevoir la bénédiction. Ces assassins sont le bras armé du temple, Senpo. Ils étaient autrefois les gardiens du temple, mais servent désormais les prêtres dans leur quête d'immortalité. Plus furtif. Ok, il y a du monde. Oh god. Un canon. Substance noire, une forme grosseur de poudre à canon. Il peut servir à améliorer les outils de prothèse avec des explosions et des pouvoirs occultes. Bien qu'extrêmement basique, cette poudre a un grand nombre d'applications possibles. Un puissant antidote concocté par le clan de la vallée engloutie. Soigner l'altération poison augmente pendant un temps la résistance à l'empoisonnement, tout en diminuant l'accumulation de l'effet poison. La vallée engloutie abrite des dépôts de magnétite, mais c'est vraiment très toxique. Cette poudre d'antidote est donc indispensable pour tous ceux qui veulent extraire ce minerai. Un antipoison. Ah, ok, par exemple, le jeu il fait pause. Je pense. Fait que si j'ai besoin de prendre des quoi, je trouvais aussi que le menu il était bizarre comparé aux autres. J'en ai un rapide ici, mais. Oh. Cheetos. Je peux vraiment aller là. Boulette. Non! On va gaspiller Shuriken. Maintenez. Oh, et elle pour sprinter. Ben ouais. Je peux à peu près une demi-heure, je le sais. Ah, mais si. Solomon. Voulez-vous acheter une offrande? Une offrande? Oui. Je vends des objets à offrir aux morts pour qu'ils reposent en paix. À vous voir, je parie que vous savez une ou deux choses sur la mort. Oui. Allez-y. Achetez une offrande. C'est pas juste les débuts. Les boulettes, des poudres d'antidote, du sucre, des petites bourses. Emporter 5 sur 99. Ah, je pourrais entreposer mon argent? Ah, ça c'est bien ça, qu'on peut acheter des bourses. J'aime ça, ça. Hop. Putain. Quand, comme ça, je peux mettre mon argent là. Sauf, je sais pas si 110, c'est vraiment le prix, ou bien ça coûte genre 10 de plus, peut-être. Il y a des marchands dans le jeu. Vous trouverez les morts, et aussi les corbeaux. Où que vos voyages vous mènent, pensez à emporter des offrandes avec vous. Bien sûr, monsieur.
vous voulez acheter une... puisse les... Passage-le. Un ballon de mi-bout. Un autre ballon de mi-bout. Morceau de fer. Du fer qu'on trouve dans les mines de Chine utilisé pour améliorer les bases d'outils de prothèse. Bien que Chine soit couvert par la neige et ne manque pas des terres désertiques, ce morceau de fer est loin d'être grossi. Ok, il y a tellement de passages différents. Ça n'a aucun sens. Damn. Tantôt ils m'ont eu, ça incroyable, en fait tu es pas une poule. T'es qui toi? Je vous connais. Ouais! Vous êtes le brave seigneur Shinobi. Je ne vous avais pas revu depuis... eh bien, cette nuit-là. Quelle nuit? Hein? Vous ne vous rappelez pas? Non. Oh, je vois. Vous ne vous rappelez pas. Écoutez, seigneur. Vous et moi, on s'est déjà rencontrés. J'étais un voleur à l'époque. Mais ces jours sont derrière moi. Maintenant, je suis un honnête marchand. Ouais, marchand. Le problème, c'est que je n'ai plus un sou. Et donc, que je n'ai rien à vendre du tout. Alors, mon brave seigneur, auriez-vous quelques pièces à me prêter pour mes affaires? Je trouverai quelque chose d'utile, rien que pour vous. Promis. Et en bonus, je vous dirai tout sur cette nuit-là. Qu'en dites-vous? C'est une excellente affaire, non? 10 cents, oh. Voilà quelques pièces. Merci, mon bon seigneur. Maintenant, raconte. Oui, oui, bien sûr. Cette nuit-là... ma bande s'était introduite au manoir des Hirata. Comme vous le savez sûrement, les Hirata sont des vassaux des Hashina. Normalement, ils auraient dû nous massacrer en un rien de temps. Mais quand nous sommes arrivés, une bataille se déroulait au loin et presque tous les jeunes samouraïs étaient partis. C'était une occasion en or. Ensuite, nous avons mis le feu pour tout voler. Et c'est là que je vous ai rencontré. Vous cherchiez quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. C'est tout ce que je sais de cette nuit-là. Je vois. Ouais. La tête que vous faites là, c'est celle que vous faisiez cette nuit-là. Vous cherchez toujours quelque chose? Écoutez, mon bon seigneur. Si vous payez, je pourrai vous raconter d'autres petites choses utiles. Si vous payez, bien sûr. Je suis un marchand désormais. Je vais acheter des informations. Merci beaucoup d'être venu me voir.
Comme vous êtes un shinobi, je vais vous parler des outils de shinobi. Si c'est possible. J'ai vu un tube. Un tube qui crachait du feu. Quand nous sommes entrés dans le manoir Hirata, l'un de mes amis en a trouvé un. Bouf ! Bouf ! C'est le bruit que font les flammes en sortant. Note sur le tube de flamme. Note suivie écrite par Anayama. Des années sont passées depuis qu'elle a été écrite. Information lucrative 36. Quand nous sommes introduits dans le domaine, les retines ont trouvé des tubes crachant des flammes. Le gars, on a mis les feux et il a profité des boissons. C'était sans doute un outil de shinobi. Un tube crachant des flammes au manoir Hirata. Je m'en souviendrai. Je vais trouver quelques marchandises avec les pièces que vous m'avez données. Je suis impatient d'en trouver. Ah, c'est tout. Ah bah cool. Il me donne des infos, lui. What is that? Cet homme venait de Hirata. Je dois présenter mes respects. Seigneur Kuro. Damema, y a-t-il d'autres survivants de Hirata? Nous ne sommes plus très nombreux. Je vois. Je vous présente mes excuses. Rien n'arrête ceux qui cherchent l'héritage du dragon. Leur destin était écrit à cause de ceux qui me poursuivent. Je regrette qu'ils aient été impliqués. Ah, fait que je viens de savoir que... Cet homme venait de Hirata. Je dois présenter... Seigneur Kuro. Je vous présente rien n'arrête. Ah, fait que c'est elle qui s'occupe du petit maître Kuro, mais... le médecin aussi. What is that? Ne sens pas en sécurité avec ce gros bâtard attaché juste à côté de nous. J'aimerais mieux ne pas être mis en pièces jusqu'à ce que le jeu commence. Il est sauvé. Il a accroché sur le feu. La théorie règne le feu. Le Seigneur a dit dans sa proclamation. Ma proclamation. C'est la blague. Ashina a vraiment une drôle de façon de se préparer à la guerre. Ah. Ah ouais, y a pas le feu, on dirait bien. Ah, y a une borne là. Ah bah oui, là-bas. Damn. Amélioration physique. L'option améliorer les caractéristiques physiques a été débrouillée dans le menu Idol Sculptor. Dépensez 4 perles de chapelet pour créer un collier de prière. Améliorer votre maximum de vitalité et de posture. Ah. Donc il me faut des perles. Je peux me reposer pour me reconnaître mes affaires. Sauf que les ennemis vont être réapparus. Genre, cette poule-là. Désolé, Paul. Je veux pas que t'alertes le monde. Les autres baisses, ça doit être des sneaks. Je peux pas vraiment sauter à part si j'étais en haut là.
cas, un katana dans la gorge, ça fait un méchant splash de sang. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de... Ok, c'était juste un chemin. Lui, il craint le feu. J'ai rien qui a rapport au feu. Ah, puis il m'a vu. Oh, il veut vraiment se battre. Oh, il veut se battre! Il me voit! Mais what? J'ai rien au feu, moi! Attends, y'a des flammes un peu partout ici, ça a-tu rapport? Ça se brise, mais ça fait pas. Ok! Bon ben. Saisie. Les saisies ne peuvent pas être déviées. Une fois saisies, vous ne pouvez éviter de subir d'importants dégâts. Mais si vous sautez ou sprintez, vous pouvez esquiver les saisies. Certains peuvent aussi être esquivés avec un pas d'esquive B. Elle saute dans la direction choisie. Maintenez A pour sprinter, pas d'esquive. Ah! J'ai vu ma corde? Ça! Oh, fuck. Ok. Ok. Bon, fait qu'en gros, ces ennemis-là, tu te fais pas chier. Tellement vite le gros. Pourquoi ça sert de passer avec la corde? Pourquoi je peux prendre ma corde? Goodness.
ça pour ça. What? Destin. Pas encore. Oui, mais pourquoi elle le... Une toux douloureuse retentit quelque part. L'homme qui tout sculpte sans relâche des statues de Bouddha pour ne pas être brûlé par les flammes. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. Essence de paix sculpteur. Bonne effrayée. Douloureuse ressentie que la personne qui tousse est une femme âgée qui s'inquiète pour son maître. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. Peste du dragon. Plus celui qui possède l'héritage du dragon perd la vie, plus la maladie nommée peste du dragon se répand dans le monde. La peste du dragon n'est pas causée par la résurrection, mais elle a une chance de se déclencher si Lou meurt vraiment à répétition. Plus votre essence de peste est élevée, moins vous avez de chances de profiter de l'aide divine. Qu'y a-t-il ? On dirait que ton sens du combat est revenu. Tu es un peu plus shinobi qu'avant, mais pas énormément. Prends ça. On me fait péter la gueule bien raide. Texte ésotérique. Un livre de secrets qui détaille diverses techniques employées par les shinobi permet d'apprendre des compétences de l'ordre des shinobi. Là se trouvent les secrets les plus enfouis de l'ordre des shinobi, comme les attaques aériennes et les techniques de furtivité. Les samouraïs ne pratiquent pas ces mouvements. Qu'est-ce que c'est ? Des techniques de shinobi. Ce sont des techniques de combat qui ne peuvent pas être exécutées par des samouraïs. À toi de voir si tu les utilises ou pas. Les shinobi ne sont pas les seuls à avoir leur propre technique de combat. Eh ben, posséder les textes ésotériques d'un style de combat permet d'en acquérir les compétences dans le menu compétences de l'idole. Chaque ennemi vaincu rapporte de l'expérience. Dès que vous avez assez de points de compétences, vous pouvez les dépenser pour déverrouiller les compétences. Vous pouvez aussi apprendre des compétences en trouvant des objets ou en battant des ennemis. Pauvre tout. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la peste du dragon. La stagnation se répand partout. Une maladie qui conduit à la mort. De quoi parlez-vous ? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu vois, je ne suis pas normal. J'ai du mal à parler. Maintenant, demande le reste à Emma. Bouddha? C'est la petite cloche? Ferme les yeux. Écoute parler la cloche. Le son de la cloche va remuer tes pensées et faire ressurgir les anciens souvenirs de leur torpeur. Il y a 3 ans. Ah. Ah bon? Ok. Acquérir des compétences. Je peux apprendre des compétences en dépassant des points dans le menu. Oh dang!
peut acquérir de nouvelles compétences en dépassant des points de compétences. Il y a trois types. Les arts du combat, les arts martiaux du shinobi et les compétences passives. Vous devez équiper les arts du combat tandis que les arts martiaux du shinobi et les compétences passives sont toujours activés une fois acquis. Taillade tourbillon. Une technique permettant de frapper plusieurs ennemis d'un coup. Cette taillade tourbillonnante peut facilement frapper plusieurs ennemis et infliger des dégâts même en cas de garde. Une technique de shinobi parfaite pour s'extraire d'un encerclement d'ennemis. LBRB, taillade tourbillon. Eh ben, contre Mikiri. La carrière martiale du shinobi contre Mikiri permet de contrer un coup d'esto ennemi en écrasant la lame avec le pied, ce qui inflige de lourds dégâts de posture. Il est presque impossible de percevoir la vitesse d'un esto, sauf si on a des yeux de shinobi. A, quand un coup d'esto ennemi touche contre Mikiri, piétiner le katana ennemi pour annuler son coup d'esto et infliger une grande quantité de dégâts à sa posture. Ah ouais, c'est stylé ça. Mais là c'est quoi, je viens de me transporter dans un... Il y a 3 ans de ça, le domaine Irata. Oh damn. What? Je fais des flashbacks à cette heure? Attends, mais je peux-tu revenir ou... Lieu important. Domaine Irata. Ah ouais, je pourrais revenir si je veux. Ah, madame, elle m'a donné la cloche. Je dois être capable de faire ça, c'est certain. Ça m'a donné la cloche. Tu es le fils de la chouette. Que s'est-il passé? Des voleurs. Au domaine Irata, il faut faire vite. L'héritier divin. En quelle année sommes-nous? Quelle année? Oh, quelle étrange question. Réponds-moi. C'est l'année... du pèlerinage de la source du dragon. Le pèlerinage de la source du dragon. C'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est? Le sculpteur parlait d'un vieux souvenir. Je ne me souviens de rien de tout ça. Mais ça semble appartenir au passé. Le pèlerinage de la source du... C'était Elia Kess, le sculpte, je ne me souviens, mais ça... C'est quoi, j'ai réussi à revivre les passés? Avec le moment présent? C'est weird, là. Un poisson. Un gros poisson. Poudre par feu, un remède pour soigner les brûlures. Soigne l'altération brûlure, augmente la résistance aux brûlures tout en diminuant l'accumulation d'altération brûlure.
aller dans l'eau. Tantôt, je nageais. Oui! Ah! Écaille de carpe au trésor. Une écaille étincelante de la carpe au trésor. Oh, il y a une carte au trésor, c'est une carpe au trésor! Pour n'importe qui, c'est une belle écaille, mais pour ceux qui exaltent un certain maître, il n'y a rien au monde de plus précieux que ces écailles. En conséquence, les gardes peuvent valoir. Les garder peuvent valoir le coup. Ah. For what? Ah, ok, je peux pas aller par là. Ah, ben au moins, ils ont mis ça rapide comme jeu. Nyon! 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 Poisson veut se battre! Écaille de carpe au trésor. Un autre. Il m'en donne. On se bat. Caché là-dedans. Une bourse. C'est du monde. Peut-être. Vous y connaissez quelque chose? En écailles de carpe? Ah, bah. Les écailles scintillantes de la carpe au trésor. Apportez-les-moi et je vous récompenserai bien. Acheter des objets avec des écailles. Herbe divine. Il y a un remède secret qui rend toute la vitalité et soigne toutes les altérations. Limite de 1. Une partie des Chinois est particulièrement ancienne. La terre, les roches et l'eau, ils sont primitives et celle-là aurait attiré l'attention des dieux. Le docteur Duggan a étudié les plantes de cette région et conçu ce remède exceptionnel. Gourde rouge. Une gourde rouge couverte de mousse et remplie de eau médicinale. La gourde se remplit quand vous vous reposez et réduit les niveaux de brûlure accumulée et augmente légèrement la résistance, mais ne soigne pas une altération d'état brûlure. Fragment masque droit. Un fragment d'un ancien masque de danseuse. Le masque original a été brisé en plusieurs morceaux et ce fragment s'en va être la partie de droite. Texte du passage flottant. Un abrégé sur le passage flottant. Un ordre du combat. Cet ordre du combat s'apprend en acquérant ce texte. Déchaîne des attaques sous forme d'une danse fluide qui submerge l'ennemi dans un tourbillon de coups élégants. C'est une technique échinée, mais son origine étrangère en fait un mouvement hérétique. C'est stylé. On coule les trucs. Mais ça, c'est buzzé, là, gars. Réduit les niveaux de brûlure. Ok. Apportez-moi d'autres écailles la prochaine fois. Ok, man. Patrum. Ouais, oui, toi, ici, je suis vraiment considéré comme caché là-dedans. Eh ben. Sa plage. Je vais te counter. Oui. Oh damn. Oh shit. Les orages. 58. Oh shit, faut que je pense qu'on va faire pause au plus vite. Pfiou.
Ouais. On va essayer de trouver un save parce que peut-être qu'on va perdre l'internet, ça serait triste. Oh, oh, oh. Oh oh, en plein. Ça va être une petite vidéo d'une heure, mais on va pas prendre de chance parce que. Avec la pluie et les orages qui flashent en arrière de moi, là. Et voilà. On va être rendu à explorer ce village-là. Si on regardait et quitter. Let's go!